L'actualité est politique également dans cette édition, ce vendredi, avec la porte-parole de Lutte ouvrière et candidate aux élections présidentielles de 2017, Nathalie Arthaud, qui était de passage hier après-midi à Lille, place du Théâtre, au restaurant La Cloche. Après avoir passé une semaine aux côtés des militants d'extrême-gauche et de son parti dans la région des Hauts-de-France, elle nous a accordé hier une interview, l'occasion pour elle de réagir aux derniers attentats de Nice la semaine dernière et de dénoncer ainsi la politique sécuritaire du gouvernement et notamment l'état d'urgence. On écoute Nathalie Arthaud sur Grand Lille TV, la porte-parole de Lutte ouvrière. Elle est au micro de Marine Kijek. Il suffit de reprendre une à une les mesures qu'il préconise pour comprendre que ça n'aurait pas empêché la tuerie de Nice. Donc, c'est révoltant de voir finalement tous ces politiciens qui essayent d'exploiter l'émotion, qui finalement vont aggraver, vont accentuer les préjugés qui peuvent exister, qu'ils ont d'ailleurs contribué à alimenter depuis des années et des années, hein, parce que c'est effectivement une façon de dresser une partie de la population immigrée, contre une autre.